Les cosplays extraordinaires. D'ailleurs, ceux qui sont encore là, ils sont installés. Bon, encore bonjour. Oui, bah, j'allais l'annoncer. Du coup, voilà. Donc voilà, on m'a un peu spoil l'animation, c'est que vous avez une partie des comédiens de jazz qui seront jury de ce concours cosplay. Concours qui est organisé par Cosgeek et par Kamen Crea. Kamen Crea qui est une partie des stands là-bas et qui gère aussi toute la partie restauration. Donc si vous avez mangé du riz d'un fondant extraordinaire avec un curry magnifique et des petits caraguets tout croquants, tout mignons, c'était là-bas. Et vous pouvez applaudir déjà bien fort, autant le côté restaurant que tous les stands, donc vous pouvez applaudir quand même, hein, ok. Hop hop hop, on applaudit, voilà. Je vois, vous êtes pas très chaud, hein. Ok, on va à la faire comme d'habitude, c'est un peu une tradition ici. Cosgeek, est-ce que vous êtes là? Ouais. Ok, on va la refaire. La Cosgeek, est-ce que vous êtes là? Ouais. Parfait. Alors, on va laisser juste 10 petites minutes. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux peut-être remercier les personnes qui nous ont donné un lot. Ah mais en fait, j'allais le faire dans l'ordre en fait. Ah vas-y, je te laisse. En fait, t'inquiète, c'est mon mood en fait. Allez, bonne chance. Ah super, merci. Bon, il me force à sortir mon arme magique, mon téléphone. Est-ce que tout le monde a un téléphone ici? Ouais. Est-ce que vous avez des souvenirs à prendre avec ce qui va arriver là? Ça va être extraordinaire quand même. Donc photos, vidéos, vous envoyez ça à votre père, mère, mamie, paillasson, voisin. Alors, à partir du moment où ton paillasson a un téléphone, inquiète-toi. Mais t'inquiète pas du paillasson, inquiète-toi de ta santé mentale. Bon, j'ai une petite info. Oh non, il y a une petite info. Le concours cosplay commence à être prêt. Commence à être prêt, ça. Bientôt, tu vas avoir quelqu'un pop juste derrière toi. Là? Ouais. Ok. Et du coup, je demanderai au public de faire un maximum de bruit pour les cosplayers parce que quand même, ils sont jugés pour un concours. C'est vrai. Acceptez le fait qu'ils aient du trac ou autre, mais encouragez-les quand même. Quand ils vont venir, t'inquiète. C'est eux, en fait, le défilé cosplay spécial. Ils viennent, ils défilent. Tu vois, comme ça, on va dire, j'y suis belle. Et après, ils viennent s'asseoir, c'est des schizophrènes. Ils viennent s'asseoir, ils font, franchement, j'ai pas trop 2 sur 20, quoi. C'est pas... J'ai pas trop aimé le... Tiens. C'est eux qui se jugent tout seuls. C'est pour ça. C'est des défilés nouvelle génération. C'est pour ça. Non, c'est pas vrai. Ils arrivent. Là. C'est vraiment... Par contre, vous savez que... Ils ont des lots à gagner. Ils ont des lots à gagner, hein. Ah ouais, ils jouent leur vie, hein. C'est pas genre toi, on te fait gagner un poster, t'es content, tu rentres, maman, j'ai gagné un poster. Non. Il y a plusieurs lots qui gagnent, ils se battent pour leur vie, hein. Et de ce que j'ai entendu, c'est pas des lots bof, poussa. Je vais te taper. Mais maintenant, je crois même dans la rue, je vais entendre la musique, je vais stresser. La cosmétique, est-ce que vous allez bien? Ouais, j'en ai marre d'attendre. Je vois ton visage là. Ton vieux visage. Arrêtez. C'est bon, tu te passes? Ouais, ça devrait commencer incessamment sous peu. Ça fait 10 minutes. Je vous ai dit, hein. Sans beaucoup contre Végéta. Vraiment, on est sur quelque chose comme ça. Et en plus, pour votre plus grand plaisir, c'est bon? C'est prêt? Parce que tu m'as juste fait un coucou, genre, ça fait longtemps, c'est pas vu. Ah, c'est là-bas, ça arrive. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, je le chuchote doucement, mais je veux que vos applaudissements aillent au-dessus des décibels, qu'on casse le plafond, parce que je veux un tonnerre d'applaudissements pour le défilé cosplay, s'il vous plaît. Applaudissez extrêmement fort pour ce qui va arriver bientôt, s'il vous plaît. Et attendez, est-ce que le jury arrive? Mesdames et messieurs, vous avez le jury qui arrive, vous l'applaudissez bien fort, vous avez mademoiselle Camille, le Kamen Crea qui arrive avec toute sa petite équipe que je vais laisser présenter. Applaudissez, c'est le jury! Ah, Camille! Ça va, vous allez bien? Voilà, ça se passe. Et là, ils se disent, attends, c'est pas maintenant le défilé, je comprends pas. Et dites-moi, public, vous voulez un remplaçant pour Dylan? Ouais! Parce que j'ai quelqu'un d'un peu plus qualifié, graphiquement qualifié, esthétique, qui est juste là. Graphiquement esthétique, non, t'inquiète pas, t'es très beau, t'inquiète pas. Je vous le disais tout à l'heure, je suis désolée, ça a pris un tout petit peu plus de temps que prévu, il y a eu du retard.
sur l'organisation de ce concours de cosplay, il fallait que tous les cosplayers puissent passer en pré-judging, c'est-à-dire passer pour présenter leur costume devant le jury avant. Et bien là, notre jury va maintenant juger les performances du concours. On est bien d'accord, tout le monde est d'accord. Le public, vous êtes d'accord? Tout le monde est chaud pour ce concours de cosplay? Ouais. Donc je crois qu'il est très attendu. Oui, et pour rappel, à la clé, cette année c'est spécial parce qu'on a de l'argent à la clé. Ah, il y a du cash prize à gagner cette année. Il y a 100€ à gagner pour le troisième, si je me trompe pas. Et pour le deuxième, le montant, je crois que c'est 200€. Et pour le premier, la première personne qui gagne, c'est 300€. Donc c'est pas mal. Il y a donc 600€ de lot en cash prize à gagner aujourd'hui. Ouais. Pour ce concours où nous allons accueillir 13 passages. Cher jury, je vous invite à vous installer sur les chaises qui ont été mises à disposition. Normalement, il y en a assez, vous êtes 3 et... Il y a 4. Il y a 4, c'est vrai. 3 suffisent. Vous en faites pas 3. Nous, on reste debout. Pas de voilà, nous, on reste debout, on n'a pas le droit de s'asseoir. On met l'ambiance. Cher public, est-ce que ça va? Est-ce que vous aimez le cosplay? Est-ce qu'il y a des personnes qui, par le plus grand des hasards, ne savent pas ce que c'est que le cosplay? Oh, tout va bien. Tout va bien, j'ai l'impression que tout va bien. Donc, je vous rappelle quand même, petite note, petite information, le cosplay, c'est pas juste on se déguise dans un personnage qu'on aime bien, d'accord? Ça marche pas comme ça. C'est on a un profond respect pour un certain personnage qu'on a envie d'incarner. Donc il y a deux possibilités, on peut faire son costume soi-même ou l'acheter. Ça dépend si on a un côté créatif et qu'on a envie de se prendre la tête et se remuer les méninges pour faire son costume. Et ensuite, il y a des concours de cosplay qui existent. Et ces concours priment les meilleurs cosplayers, notamment sur leur travail de confection et sur la performance qu'ils vont effectuer sur scène. Bien sûr, le fait d'avoir acheté un cosplay ne dénature pas du tout le fait qu'on soit un cosplayer. Contrairement à ce que beaucoup disent, un cosplayer reste un cosplayer à partir du moment où il respecte son propre personnage. Et qu'il incarne le personnage et le cosplay, on en parle typiquement quand on parle de personnages de pop culture. D'accord ? Si je fais un costume de Barack Obama, ce n'est pas un cosplay. D'accord ? Si je fais le costume d'un pirate, ce n'est pas un cosplay. En revanche, si je fais Jack Sparrow, là c'est du cosplay. Vous voyez un petit peu la différence entre le costume, le déguisement et le cosplay. Alors, on va juste effectuer vite fait un petit test de son. Très bien. C'est bon ? Ah bah tout va bien. Test de son réussi. Tout va bien. On va débuter ce concours ? Oui, parce qu'en parlant de pop culture, le manga, du coup, ça fait partie de la pop culture, mais pas que les mangas. Pas que les mangas. L'univers est très très vaste, du coup, on a aussi les Disney dedans. Alors, je confirme, il y a du Disney, et ne vous inquiétez pas, si vous voyez du Disney, c'est complètement logique, puisque le cosplay ne vient pas du Japon, comme on peut le penser, mais vient bien des États-Unis, avec les fans de Star Wars et Star Trek qui ont commencé à se costumer dans les conventions. Et c'est pour ça que Disney est extrêmement représenté dans le cosplay. Donc il faut pas dire « Ah, mais le cosplay, c'est japonais, je comprends pas pourquoi il y a du Disney. » C'est tout à fait normal. Puis surtout, on adore l'univers de Disney. Donc on est très heureux d'en accueillir aujourd'hui. Et pas qu'un seul, d'ailleurs. Du coup, on va tenir notre premier participant, du coup participant au pluriel. Elles sont deux. Elles sont deux, tout à fait. Elles font partie d'un univers qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Est-ce que le public connaît l'univers de Encanto ? Encanto, le film d'animation, donc Encanto, la famille Madrigal, qui a été représenté, un très très beau film. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à le regarder, il est excellent et les chansons sont incroyables. D'accord, je le regarderai, je l'ai pas vu. Il est très très bien. Alors, est-ce que le public est assez chaud pour bien encourager les personnes qui vont passer? Oui. Ils me sentent pas mal, le public. Je pense qu'ils peuvent faire mieux. Vous êtes chaud? Top, je pense que les cosplayers vont être extrêmement ravis de performer devant vous. Donc on accueille notre premier groupe du jour, le groupe Encanto. On les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Soyez patients, vous saurez tout bientôt. Donc, découvrez la famille Madrigal. Entrez dans la famille Madrigal. Émerveilleux, nous sommes la fantaisie famille Madrigal. Non, je ne dirai rien. À toi, Lisa. Je n'ai pas peur, je suis solide. Et comme la roche, je sais ce qui fera cuire. Toutes les montagnes, tous les empires. Stop. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Rien du tout. Musique? Non. Fini. Non. Pas de musique, tant qu'il m'a rien dit. Oh, mais non, encore caché la fête.
Allez, Louisa, reste tout là, papa. On a encore tout à gagner. C'est Dolores qui a entendu premier parler par les boulots, nous parler d'une nouvelle vision qui lui serait apparue sans qu'il ait demandé. Comme d'habitude, ils ont été gardés tout haut, mais cette fois, Dolores nous l'a dit. Et comme elle n'en est pas nous avait caché dans tout le village, cherché dans toutes les fleurs, qu'elle voulait dans tout le village, avant de lui avoir lancé tout, elle a demandé à l'autre côté, sa recherche terrible qu'elle a trouvée, elle m'a donné. Mais c'est ça que tu caches? Ouais, mais les gens sont venus nous voir, alors je m'en occupe après. Mais ça, est-ce que tu as vu les visions? Ah, voilà. C'était le groupe Encanto. On peut les applaudir encore plus fort, s'il vous plaît. Reviennent pour quelques photos. Ah, regardez-les comme elles sont belles. Ah, je suis jalouse, hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup les filles d'avoir ouvert ce concours de cosplay. Aujourd'hui, nous continuons, Camille, dis-moi tout, avec un animé, manga, que tu connais ou tu ne connais pas? Alors, je le connais celui-là. Ah. Je te laisse le présenter alors si tu le connais. Je connais pas grand-chose, mais celui-là, je le connais. Si je vous parle de un petit animé très mignon qui vient de passer parce que la bande, la régie a oublié de faire pause, est-ce que vous avez déjà reconnu l'opening? Ah, le jeune homme à ma gauche a l'air aguerri, effectivement. J'en ai entendu un ici, mais est-ce que le reste du public a fait attention? Non. Tout va bien, c'est qu'on n'a pas vu la pépite de donc la... Ça va. De la régie. Alors, on parle de... une petite personne qui est dans une tenue comme ça, mais noire, et qui est un dragon. Pardon ? Exactement. Voilà, Miss Kobayashi Dragon Maid. Sauf qu'on ne va pas parler d'elle exactement. On va parler d'un des autres personnages, c'est le dragon d'eau, qui s'appelle Elma. C'est Elma qui arrive sur scène dans un instant. On vous demande de l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Régie vous donne le top dans un instant. C'est parti. Merci beaucoup à toi, ça va, tu t'es amusé? Ouais, c'est le principal alors. Bon, je ne sais pas où est passée Camille, mais je pense qu'elle va arriver. Nous allons enchaîner avec notre troisième participante. C'est un jeu vidéo qui cartonne sur mobile, sur PC, sur console. C'est le jeu vidéo du confinement. Mais ce n'est pas Animal Crossing. C'est Genshin Impact. Tout à fait. Est-ce que... Oh, ça y est, Camille est revenue. Je suis un ninja. Effectivement, on peut le dire. Donc, j'étais en train de présenter au jury notre prochain participant qui vient donc de l'univers de Genshin Impact. Et oui, vous connaissez très sûrement, bah, peut-être que vous avez reconnu cet élément-là, ça va être le participant qui a le nom de Utao. Utao de Genshin Impact qui arrive dans un instant. On vous demande de l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. On peut lancer la bande-son.
Give you a fright? Honestly, who comes to Wuhan Hill in the middle of the night? This place isn't as safe as you believe me. Come with me. I'm Hotel Wangsheng Funeral Parlor Director. Let me help you cross over. Hiya, help you cross over the hill, not cross into the afterlife. Huh? And why are the butterflies our guides? Well, because they want to be sealies when they grow up. Though that walking encyclopedia Zhang Li would no doubt have a completely different explanation. Okay, you should be safe from here. Next time, don't go running around to dangerous places. Of course, if you really can afford on adventuring, then be my guest. Adventurers are our VIP clients after all. We even have coupons for you. Oh, do you have a travel buddy? We're having a sale. Second client, half price. Souvenirs. Mais ne t'enfuis pas, enfin, on va pas te manger. Enfin, le public, je pense pas qu'il va te manger. En plus, t'es mignonne, prends les photos. On peut l'applaudir encore une fois. Elle était en Utao de jeu vidéo Genshin Impact. On va changer de catégorie, Camille. On va aller dans l'animation américaine. C'est un dessin animé américain. Il y a un fan club là. Je crois bien, ouais. Qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Ouais. Et qu'on voit beaucoup, beaucoup en cosplay. Et d'ailleurs, on va l'avoir trois fois aujourd'hui en cosplay. Ouais. En plus, le dernier épisode est sorti il y a deux semaines. Voilà, on voit les fans. On va vous dévoiler ce que c'est. C'est The Hall House. The Hall House. Il y a des gens qui ne connaissent pas The Hall House. Beaucoup de gens. Ouais. Bon, écoutez, si vous avez besoin d'informations, les jeunes filles sur le côté peuvent vous informer sur cette série qui fonctionne très très bien, américaine. Voilà, c'est un dessin animé, il faut le dire, et avec les personnages très attachants et très sympathiques, on se marre bien quand même, il faut dire ce qui est dans cette série. Ah oui, bah oui, le micro ne fonctionne pas, oui, il faut que j'appuie sur le bouton. Du coup, on va attaquer avec notre premier trio. The Hall House. Tout à fait. Bon, vu qu'on a le fan club ici, je pense qu'ils vont très certainement reconnaître les personnages. Donc... Et puis bah, pour les autres, vous allez un petit peu découvrir ce que c'est que The Hall House. On les applaudit bien fort. Oui. C'est parti. Tu peux lancer la bande son. Finalement, après tant de temps, le jour de l'unité approche. Tout se déroule comme je l'avais espéré. La dame chouette et toutes ces sorcières sauvages disparaîtront enfin, et je vais pouvoir terminer ce que nous avons commencé. Ah ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais comment tu m'as amenée humaine, mais tu vas le regretter. Tout est de ta faute. Je connais ce genre d'endroit. Hé ! Nous sommes dans l'esprit de l'empereur ! Et à cause de qui, hein ? Qui nous a amenés ici ? Tu ne m'as pas laissé le choix, tu as essayé de m'attaquer ! Au moins, je vais pouvoir te montrer qu'il est mauvais. N'importe quoi. Mon oncle est la meilleure chose qui soit jamais arrivée aux îles. Sa sagesse n'a d'égal que sa grandeur. Sa puissance est sans limite. Sa souveraineté... Tu as vu ça ? C'est ça. C'est comme si tu m'écoutais pas, de toute façon. Tais-toi ! Suivons-le ! Attends ! Où est-il ? Oh, lâche-moi ! Là ! Non, qu'est-ce que tout cela signifie ? C'est la magie sauvage qui a causé tout ça. Pas vrai ?
c'est impossible. Avec l'exception parmi tous les Grimwalkers, tu es celui qui. Quoi? Je sais bien que tu ne pourras jamais m'échapper, Caleb. Il s'agissait donc de notre premier groupe de Own House. C'est génial. Oh là là. Ah bah c'est fini l'amour, bah voilà, il n'y a plus de son. L'ambiance est partie, voilà. Bye. Bye. Moi je vais rapporter la chaîne et hop, je m'assois. Non, c'est présentatrice, accessoiriste, on fait tout aujourd'hui. On place tout ça. Nous allons accueillir dans un instant notre prochain participant. C'est bon pour la pose des accessoires, là ou pas? Plus loin. Tu dis stop, tu dis stop, c'est bon là comme ça? Ok. Est-ce que pour l'autre chaise c'est ok aussi? C'est tout bon? Ok. Excusez-nous, hein, on n'a pas de plan de scène, donc on fait un petit peu au fur et à mesure. C'est notre cinquième participante du jour. Mais du coup, tiens, je vais utiliser mon joker. Ah, ok, allez. Tu sais que t'as pas fait attention, mais t'as fait un très beau jeu de mots en disant que t'allais utiliser ton joker, puisqu'il s'agit de quelqu'un qui est proche du joker. C'est Harley Quinn. Harley Quinn qui va arriver sur scène dans un instant. C'est un costume tiré du film Suicide Squad 2, précisément. C'est pour ça que notre cosplay sera en robe et non pas dans la tenue habituelle qu'on a l'habitude de voir. Juste petit message pour la régie, il faudra lancer la bande-son au moment où notre participante sera sur la chaise au centre de la scène. Je vous demande de l'applaudir bien fort, c'est Harley Quinn de Suicide Squad 2. It's morning, I see myself and wonder why the mirror on me. I want to show the things I feel like I'm making, and the world is watching to the bone, consuming my power, and sometimes fear that il fallait que le monde découvre la nouvelle Harley Quinn. Alors je me la suis donnée à fond. On retire juste les petites chaises et on laisse notre participante. Je vous le rappelle, était donc en Harley Quinn du film Suicide Squad 2. Nous allons passer à notre sixième passage du jour, animé shonen culte depuis quelques années maintenant. Sixième déjà? Eh oui. Oh là là. Oh, mais attends, mais cet animé-là, mais tout le monde le connaît. Je pense que tout le monde le connaît. Oh. Non, je chante mal. Moi, j'ai reconnu. Moi, je chante mal. Alors, c'est pas le premier opening, mais tu l'as bien chanté, je trouve. Est-ce qu'il y a des fans de shonen dans la salle?
Si je vous dis Deku et Bakugo, ça vous parle? C'est bien, c'est bien, c'est bien. On a un petit fanclub qui nous met l'ambiance, c'est très très gentil. Vous avez peut-être reconnu la série, il s'agit de My Hero Academia, qui va être représentée dans quelques instants sur cette scène. Mais c'est pas un personnage qu'on a l'habitude de voir très très souvent. Non, effectivement, ce personnage-là n'est pas tout le temps représenté. Et en plus, la particularité de ce participant, c'est qu'il va utiliser ce qu'on appelle du gender bend. C'est-à-dire qu'on utilise pas le même sexe que le personnage de base. Si en gros, c'est comme si c'était Deku version fille. Voilà, ouais, c'est un peu ça, le gender bend. Sauf que là, c'est le personnage de Kirishima qui arrive. Kirishima en version du coup gender bend. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. C'est parti! Alors n'hésite pas à t'avancer pour faire quelques photos dans la lumière, profites-en. Tu as une jolie scène à ta disposition, on va essayer de garder de beaux souvenirs pour les personnes qui te prennent en photo et en vidéo. Et on veut l'applaudir encore une fois, c'était Kirishima en mode gender bend de My Hero Academia. Merci à toi, merci beaucoup. Ça donne envie de penser, hein, ce genre de... Ouais, et d'ailleurs, ça tombe bien puisque notre 7e participante, eh ben, elle danse. Vous savez qu'au Japon, il y a un type d'anime qui marche beaucoup, beaucoup. Ce sont les animés sur les idoles, donc les jeunes filles qui chantent et qui dansent. Vous connaissez peut-être Love Live, par exemple, qui est un animé d'idoles. Et aujourd'hui, on va en accueillir un autre qui est extrêmement connu aussi, puisqu'il s'agit de Idol Master. Donc c'est une série d'idoles extrêmement connue au Japon. Est-ce que tu peux potentiellement me dire quel personnage va arriver d'Idol Master ou pas? Ce serait peut-être mieux de laisser la surprise à tout le monde. Ok, on laisse la surprise, on accueille notre prochaine participante en Idol Master. On peut l'applaudir bien fort et on peut lancer la bande-son. Oui.
Il s'agissait donc de Michi. Alors, attends, Michi, prends quelques petits photos, n'hésite pas à t'avancer sur le devant. Avance-toi encore. Mais avance-toi, va dans la lumière. Tu es adorable. C'était donc le personnage de Mickey tiré, donc je vous disais, de l'animé Idol Master. Et elle nous a bien représenté la série puisque c'est une idole qui chante et qui danse. On peut l'applaudir encore une fois. Et moi, à ton avis, ce serait pas mal de voir s'il y a d'autres univers que européens, européens. Juste, bah oui. C'est vrai que le cosplay, c'est souvent soit des œuvres américaines, soit des œuvres japonaises, oui, faut dire ce qui est. Parfois, on a du dessin animé européen, on a par exemple du Koryoko, ce genre de choses. Là, on va aller sur quelque chose qui est très peu connu, mais qui malgré tout est très très beau. C'est une bande dessinée française, donc qui a été dessinée par une Française, qui s'appelle Memento Mori. Donc c'est vraiment magnifique, et surtout les cosplayers sont assez fans de cette série parce que les costumes sont très très jolis, il y a très belles robes, il y a beaucoup de détails très sur les costumes. Et donc notre prochaine cosplayeuse va vous interpréter donc un personnage qui s'appelle Calliste, qui est d'ailleurs le personnage principal de cette bande dessinée qui s'appelle Memento Mori. On vous demande de l'applaudir bien fort s'il vous plaît. Ah, moi je suis pas d'accord, le public là il est beaucoup moins joyeux. Oh, on se réveille le public. Super. Je n'osais pas les déranger, moi. C'est parti. Bien le bonjour à vous, cher public. Je suis Calliste, mais je n'ai pas besoin de me présenter, n'est-ce pas? Comment? Vous ne me connaissez pas? Oh, la tristesse d'être un personnage de BD française. Personne ne vous connaît. Il n'est pas question que j'abandonne face à ces personnages de manga sans intérêt. J'aurai moi aussi mon heure de gloire. Tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas. Résiste, pour que tu existes. Cherche ton bonheur, tout va. Refuse ce monde égoïste. Résiste. Suis ton cœur qui insiste. Ce monde n'est pas le tien. Viens, aime-toi aussi et persiste. Résiste, pour que tu existes. Je suis Thames, et je ne suis peut-être pas un personnage connu, mais ça ne saurait durer. Bientôt, ce sera moi la star. Atsu, est-ce que tu peux, je suis désolée, retourner devant la scène pour faire quelques photos un petit peu plus fixes, qu'on puisse mémoriser ce moment. Il s'agissait donc de Atsu en Calliste de Memento Mori. On peut l'applaudir encore une fois. Mémoriser Memento Mori, c'est un bon jeu de mots. J'ai essayé, tu t'es fort. On continue avec notre 9e participant. Je suis un tout petit peu... impatiente parce que c'est encore une fois notre cher... C'est pour vous, les filles. Voilà, c'est pour vous, tout ça. On est encore sur la licence The Hall House. Mais cette fois, elle est toute seule. Mais oui, c'est une participante en solo, mais ça ne change rien, hein, j'ai envie de dire. Non, mais du coup, il faut encore plus d'énergie pour lui donner beaucoup de courage pour venir. Est-ce que ça va au jury, cette énergie? Ça va, le jury? Ça va? Vous avez pas trop chaud, ça va? Il fait un petit peu chaud quand même, hein? Ça vous plaît ce que vous voyez un petit peu? Ouais, c'est sympa, on a un show très sympathique. Donc c'est The Hall House et le personnage... C'est Amity. Amity, The Hall House, qui arrive sur scène, rip les oreilles des gens qui sont autour de ce fun club. Je suis désolée pour vous. On vous demande de l'applaudir bien fort, s'il vous plaît, Amity The Hall House. On peut lancer. J'en ai pas.
Il s'agissait donc de Amitié. Amitié, est-ce que tu peux revenir Amitié, s'il te plaît, s'il te plaît, bien papa. Mais reste avec toi pour faire donc quelques photos de ton fan club. Mais pourquoi sont-ils si pressés de partir de la scène? Je ne sais pas, je crois que la scène fait peur. C'est vrai qu'elle est assez grande ici en plus. C'est vrai, très bon. On peut l'applaudir encore une fois, c'était Amitié de la série de All House. Honnêtement, ça fait très très longtemps que je présente des concours de cosplay, mais ça, c'est le genre de cosplay qu'on voit pas souvent. Ah non, le prochain, c'est quelque chose de peu représenté. Le roleplay, c'est compliqué. C'est très très difficile. En tout cas, tout ce qu'on peut vous dire, c'est que ça vient de l'univers de Minecraft, déjà, dans un premier temps, pour les fans. Exactement, j'ai entendu Dream SMP, c'est bien ça, c'est Dream SMP qui arrive dans un instant sur la scène et qui représente donc l'univers de Minecraft. On peut l'applaudir dans quelques secondes, juste le temps d'installer notre petit accessoire qui a mis jolie tâche. C'est dans ce sens. Oui, c'est dans ce sens. C'est dans ce sens et je regarde juste si c'est bon, on peut lancer la bande. Bonsoir monsieur, madame, aujourd'hui je te dis tout, je vais faire parler en tout, car je n'aime pas le foot, je trouve que ça vieillit, moi je veux rester petit, un gamin pour la vie, sans mon choix ni cri, alors vas-y je te dis tout, sur le drame que je vis, au quotidien en enfer, voilà où je suis, je voudrais m'en aller, évader loin de tout, de ce monde de fou et partir je ne sais où. Ce monde m'étrangle, m'écrase et me brûle, me détruit, m'empêche de vivre dans ma bulle. Alors je voudrais partir, loin de tout, juste m'enfuir. Laisse-moi courir loin, laissant ce monde à bannir. Alors cher, monsieur, aide-moi, aime-moi. Moi je n'y arrive pas, dans ce monde que je vois, dans ce monde de lutte, où l'on n'est qu'une brute, où l'amour n'est plus rien, que querelle et dispute voudrait m'écrire. Moi, je peux tout quitter. C'était donc Dream SMP. Alors, ne bouge pas, on va juste enlever la chaise pour que tu puisses faire quelques jolies photos. Tu peux faire ça. Merci beaucoup, je te laisse aller au devant de la scène et on peut l'applaudir encore une fois. Merci beaucoup, c'était notre 10e passage. Et nous arrivons à notre 11e participant du jour. On va pas se mentir, je pense que la venue de Dorothée Pousseau a fait beaucoup dans ce concours de cosplay. Oui. Puisqu'il s'agit à nouveau de Harley Quinn qui va arriver sur scène. Mais cette fois, c'est un costume tiré de la série animée. Vous êtes toujours chaud public? Tout va bien, alors on vous demande de l'applaudir bien fort. Harley Quinn! Vraiment à leur plonge et tu seras mienne pour l'éternité. Je te pas. Mais quoi, comment? J'ai dit non, abruti. Mais tu dois plonger, voyons. Tu ne peux pas changer ça, ça s'est déjà produit. C'est l'histoire de tes origines. Faux. Ce n'est pas l'histoire de mes origines. L'histoire vraie de mes origines ne s'est pas passée ici. Tout s'est passé dans ton repère. Quand c'est arrivé, je portais pas une fringue comme ça. Et tu peux me croire, je disais pas que t'étais un rêve devenu réalité. Je disais plutôt, va te faire foutre, connard. Allez, arrête enfin, ça n'a pas de sens, je ne sais que tu crois m'avoir créé, mais personne ne m'a créé. Mes parents, les gringos, sont parfaits comme je suis. Pas plus que Jessica Harper qui a menti à tout le lycée en racontant que j'avais perdu ma virginité avec un cheval. Putain, pas plus non plus que les flics qui m'ont interrogé des heures pour savoir où était passée Jessica Harper. Une chose sûre et certaine, c'est que c'est pas toi qui m'as créé Poussin. Ouais, ben c'est moi qui ai trouvé ton nom. T'as trouvé Harley Quinn à partir de Harleen Quinzel. Mais quelle trouvaille de génie. Tu m'as pas faite, Joker, je me suis faite toute seule. Mais tu ne peux pas changer tes souvenirs comme ça. Tu crois que t'as le droit d'appliquer les règles d'Éternel Sunshine? Mon esprit, mes règles. Thank you.
parler. Est-ce que tu peux t'approcher au devant de la scène avec ce magnifique doublage de Dorothée Cusseau que vous pouvez retrouver en dédicace. Hein. Tellement sûr, ce personnage. Oh là là. À ne pas prendre comme exemple au niveau du langage, hein, les enfants. Alors justement, Dorothée Cusseau disait tout à l'heure que c'était un petit peu la série qui lui permettait d'avoir un exutoire en rentrant avant chez elle, parce qu'elle pouvait dire toutes les... Décompressions. Voilà. Bêtises possibles. On l'applaudit encore une fois, c'était Harley Quinn. Notre 11e participante de la journée, et nous arrivons bientôt à la fin de ce concours. Et moi, je vais demander, est-ce qu'on peut avoir, encore une fois, s'il vous plaît, la licence qu'on aime bien? Allez, une dernière fois. Elle est extrêmement représentée aujourd'hui. Sachez que ça n'arrive pas à tous les concours de cosplay, mais ça peut arriver qu'on se retrouve plusieurs fois avec cette licence. Je pense qu'on n'a plus besoin de vous la présenter. Vous avez compris, c'est de All House, encore une fois. Et on va accueillir un trio cette fois-ci, je ne dis pas de bêtises. C'est bon? Tout le monde est chaud? Allez, un dernier coup d'énergie pour The All House, s'il vous plaît. On l'applaudit bien fort. Allez, on se super, donc c'est parti, les personnages, c'est Luz, Amity et Outi qui arrivent sur scène. C'est bon pour toi? Pour la bande-son, tu nous fais un petit coup, c'est parti. À quoi tu penses? Oh non, c'est rien, t'inquiète pas. Allez, dis tout ce qui te tracasse à ton incroyable petit ami. Ok. Ça peut paraître un peu bête, mais j'étais juste en train de me dire que l'univers s'est lancé dans le monde, tu vois. Et puis en plus, il y a plein de royaumes différents et chacun a son propre univers. Du coup, la possibilité que deux personnes se rencontrent est extrêmement faible, tu vois. Et pourtant, on s'est rencontrés, on est tombés amoureuses l'une de l'autre, et maintenant, on est chacune une part importante de la vie de l'autre. Je ne sais pas, tout ça a l'air magique. Tu ne trouves pas? Eh ben, mais c'est bien. Je savais pas que t'avais l'ami le poète. Oh, arrête, je suis sérieuse. J'ai de la chance de t'avoir rencontré, Batata. C'était quoi ça? Qui va là? Qui que vous soyez, tout ira bien si vous vous montrez dès maintenant. Amity, par là! Je te tiens. Outi? Bon, je suppose qu'il faut aller l'aider maintenant. Hé, hey, attends-moi! Oupla! Attention, accessoiriste, on approche. Attention. Alors, est-ce que vous voyez à peu près les indices que nous posons sur scène pour vous indiquer l'univers du prochain personnage? Un grand merci à notre accessoiriste improvisé. Il nous aide depuis tout à l'heure en backstage. On peut l'applaudir bien fort parce qu'il n'est pas obligé de le faire et il nous aide depuis tout à l'heure. On lui envoie plein d'amour. Beaucoup depuis tout. On va juste vérifier avec notre dernière participante si tout est ok. Elle nous vient de l'univers de Disney. Ah oui, si on dit Disney et bouquin, vous pensez à quel personnage? Pardon? Effectivement, c'est une héroïne qui aime beaucoup les livres. Et je l'ai entendu dans le public. Vous l'avez dit plusieurs fois, c'est... La Belle et la Bête, tout à fait, avec le personnage principal qui arrive sur scène et qui clôture ce concours. Camille, juste, est-ce que tu me confirmes que tous les participants remontent sur scène pour une photo à la fin ou pas? Mais bien sûr. Ok, donc restez bien avec nous jusqu'à la fin de ce concours, puisque tous les participants reviendront sur scène pour la photo finale. On vous demande un maximum de bruit pour Belle du film La Belle et la Bête. Vive
où les jours se tiennent immobiles, où les gens, dès le matin, parlent de tout et de rien. Du bon vieux pain de sang fourni. Depuis qu'on est arrivé, les gens veulent sont étrangers dans les rues qui pleurent d'ennui. Oh, bonjour, belle. Monsieur, où est-ce que tu vas? Mon ami le libraire, je viens de terminer une merveilleuse histoire à propos d'un ogre du roi des haricots. Intéressant. Marie, éveillée, et que ça saute. Belle. Bonjour, je rapporte le livre que je vous ai emprunté. Comment ça déjà? Oh, je l'ai dévoré en une nuit. Vous avez quelque chose d'autre? Depuis hier, non, hélas. Je ne fais rien. Je prendrai celui-là. Celui-là? Mais tu l'as déjà lu deux fois. C'est mon préféré. J'aime les romans de capes et d'épées, plein de magie et de princes ensorcelés. Bien, si tu l'aimes tellement, je t'en fais cadeau. Mais monsieur... J'insiste. Oh, merci. Merci infiniment. Il s'agissait donc de notre dernière partie. Belle, où est-ce que c'est Belle? Il y a quelques petites photos devant la scène. Puis en plus, avec Camille, on va en profiter pour bouger les accessoires. C'était notre dernière participante. Tu peux t'avancer sur la scène et les autres cosplayers vont te rejoindre dans un instant. Super. On a besoin d'un super bras. Merci beaucoup. On bouge la table et tous les cosplayers arrivent dans un instant, le temps qu'on remette la table en place. Merci beaucoup. En tout cas, vous pouvez quand même applaudir encore une fois le défilé cosplay qui a été extraordinaire. Merci. Donc, Eratom sur la programmation. C'est donc dans quelques instants, minutes, un petit peu de temps, le temps de mise en place. Et c'est Jean-Marc-Anthony Cabella, le chanteur des génériques de Pokémon, qui va nous rejoindre sur scène. Il n'y a pas beaucoup de musique d'ambiance, mais c'est pas très grave. On va quand même demander à nouveau au public d'applaudir l'ensemble de nos 20 participants à peu près, hein, une vingtaine de participants aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les gens qui ont participé. Bien entendu, après le podium, peu importe le résultat, ils auront tous un lot. Parce que le stand de Kamel Créa va offrir un lot à absolument tous les participants en guise de remerciement de participation. Parce que vous êtes des amours, vous êtes gentils à venir sur scène et à braver. Oh, une petite retardataire. Nous allons à braver les commis pour venir. Il y avait quelqu'un qui n'était pas sur la photo. Non, ne bougez pas, je suis désolée. En fait, il manquait quelqu'un sur la photo. Il y avait une petite retardataire. Alors, moi, je propose, quand je dis 3, on fait une photo un peu troll, un peu rigolote. Donc, à 3, une photo un peu troll. 1, 2, 3. Alors merci pour la musique. Et on peut applaudir encore une fois nos 20 participants de la journée. Le jury va se retirer pour aller délibérer. Je vous rappelle, aujourd'hui, pour les 3 meilleurs d'entre eux, il y aura un cash prize à gagner. Donc 100 euros, 200 euros et 300 euros respectivement.